海賊武装2。Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de One Piece Kaizoku Musou 2 pour le journal de bord de Brook. Allons faire notre habile squelette. Alors, qu'est-ce qu'il nous recommande? Personne? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore testé? Franky? De toute façon, il est niveau 1, donc ouais. Ceux qui sont niveau 1, on les a pas testés. Par contre, je vais pas faire la croissance Berry jusqu'au niveau 25 à chaque fois. ブルックだったが、どこか落ち着かない様子を見せていた。私、毎晩怖い夢を見るのです。もしかして、お化けに取り憑かれたのかも。このままでは戦闘に集中できません。私と戦って、私の中にいるお化けを退治してくれませんか？ Le fantôme qui t'habite, c'est toi-même. Le fantôme qui habite ton squelette, c'est toi-même. C'est ton âme, crétin. Putain. Alors du coup, le partenaire actuel, il est en dehors du combat. Alors avant toute chose, croissance Berry. Ça me coûte combien jusqu'au niveau 20? Parce que 25, c'est pratiquement 1 million, quoi. J'ai 4 millions. Ou alors je farm en off, tout simplement. Autant farmer en off, ouais, quand j'y pense. Allez hop. Niveau 25, je pourrais le monter jusqu'au niveau 26. Mais le 25, ça suffit bien. Le partenaire, on va prendre Chopper. Technique. On va mettre les mêmes casse-moqueurs. Alliance pirate, alors force vote. Est-ce que j'ai autre chose plus? Les boucliers peuvent être détruits. C'est vrai que les boucliers sont chiants. Mais je les détruis au bout d'un moment, donc c'est pas un problème. Ouais, allez. Choix des pièces. Va falloir refaire la même. On va changer avec ça, hop. Là, on va mettre un autre smoker. Et on va mettre Luffy. Hop. Ensuite, si je mets Jinbei, il va falloir Nami. Là, on peut mettre lui. Et avec Jinbei, Franky, hop. Ensuite. Tac. Là, faut forcément un Franky aussi. Il y a du cola quelque part, si je me souviens bien. Alors, il y a Nami aussi. Et avec Nami, on va mettre la Jinbei, voilà. Bon, c'est pas optimisé à fond, mais c'est déjà bien. Voilà, voilà. Bon, on va essayer d'aller vite cette fois-ci, histoire que j'ai le S, que je n'ai pas à refaire le niveau. Parce que le farming sur ce genre de niveau, il est pas très intéressant. Ah bah faut que je fasse 1000 KO pour ouvrir la... Chopper, 任せろ!
Ouais, c'est celle-là la meilleure. Franquin est un bon personnage ici. Mais il lui manque le Radical Beam. Et je pense que c'est une de ses attaques spéciales. Parce que dans le Pirate Warrior 3, le Radical Beam, c'est une de ses attaques normales. Ah merde, je voulais pas le prendre. Ah bah c'est parfait, il y en a un autre là. Merde. Alors, première attaque. Séché. Chauve. Taille chauve. C'est pas général, taille chauve. C'est dans quoi général taille chauve? Il me semble que c'est là-dedans. Ils ont plus de PV ici parce qu'ils sont liés à un autre terrain, ouais. Du coup, l'ulti, c'est quoi? Radical Beam, ouais. Il est trop bien le Radical Beam. Open light. Qui est apparu. Je voulais me tourner vers un ami, mais je n'avais pas le temps. J'aimerais avoir mon ulti avant. Parfait. Histoire de le refaire là. Voilà.
On n'a pas le temps de capturer l'autre terrain, sinon on n'aura pas le S. Donc allons-y tout de suite. Parfait, il est au broc là-bas. Tout le monde est rassemblé et on termine en beauté. Parfait. Ah, 6 minutes? Oh, bah, j'aurais eu le temps. En fait, j'ai mis 6 minutes à démarrer parce que la vidéo est à 12 minutes. Il est sympa ce Franky. Il est peut-être un peu mieux que... Le gameplay est vachement différent que celui de Pirate Warrior 3. En même temps, tout ce qu'on avait vu, c'était l'île des hommes-poissons. Et le début de Punk Hazard. Donc bon. On n'avait pas vu énormément de capacités. La vieille, ça va être cuisinier. J'en ai pas vraiment besoin de ça. Bon bah voilà, ça c'est fait. Et du coup, bah rendez-vous la prochaine fois pour l'histoire. Je sais pas quand ça va être, sûrement après-demain. Ou demain, je sais pas. Allez, salut à tous.